Okay, OK. in the house. In the sous -sole. It's the sous oui. Mettez bien vos micros. Oui. OK. Je claque. <coughs> Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour le retour de Recruiter in the House, des interviews. Vous avez beaucoup demandé. Donc on va essayer de faire ça. Ce soir, un podcast qui est euh, sponsorisé par Thalys, merci à eux. Thalys, si vous ne connaissez pas, gérez vos candidats avec Thalys, l'ATS collaboratif qui vous permet d'intégrer vos équipes dans les décisions, de la demande d'ouverture de poste jusqu'à son attribution. Testez le logiciel gratuitement via le lien en description. Bon podcast. Merci, merci à eux. Merci beaucoup Thalys. Cette émission qu'on va appeler Sous-sol pourquoi ouais. est-ce qu'on appelle sous-sol Rassam Le sous-sol, ouais. parce qu'on est dans mon sous-sol. On est chez Rassam. On, on, est, chez on est bien. soir. On est On chez On est chez, Très bien. chez moi. Et en invité, on a heureux. Monsieur Pierre-André Fortin. Monsieur Pierre-André Fortin. Euh, L'intellectuel <laughs> game. Ben, L'intello <laughs> <L> <laughs> L'intellectuel. Et euh, je, te, je te remercie d'être venu. Merci à vous de, de nous rejoindre pour cette. C'est quoi euh... le contexte Pourquoi on a invité euh, PA aujourd'hui Pierre, euh, pourquoi est-ce qu'on l'a invité Déjà, euh, depuis quelques temps, on nous relance sur ouais, euh, Recruiter India, c'était trop bien, les, les, euh, les lives, les interviews. Donc, on a décidé de, de revenir sur ce genre de format. Et euh, on a vu avec Thalise, qui a un formidable ATS, le champ des possibles, les personnes qui pourraient être euh, intéressantes à interviewer. Et euh, on s'était du blog où tu as écrit un, un joli papier. Un article qui est à contre-courant et qui va me servir un petit peu de point de structure pour démonter la scorecard. <rire> <rire> on, va, on va parler de la scorecard On, on va, va parler de la scorecard, mais, mais en introduction, <coughs> on va parler de, de son exact opposé, l'intuition. Comment t'es venu ce, ce papier, cette idée Dis-nous tout, euh, Pierre. L'intuition. Pourquoi Alors, c'est une, une soirée avec Sylvia où on, a, où on en a discuté, et en fait, euh, ça remonte un petit peu à quand j'étais petit. Ouais. petit bébé recruteur on va dire <laughs> Jadis. et globalement j'avais à l'époque un mentor qui me disait bon c'est bien t'as l'intuition mais c'est pas suffisant, va sur l'analyse et euh, donc intuition a priori on, si, on a, si on veut la définir très rapidement et de manière un peu euh, vite fait, vite fait mal fait non, euh, non. ce serait finalement une espèce de euh, d'intelligence immédiate euh, de perception immédiate c'est un réflexe c'est du domaine du réflexe. Euh, bon, euh, donc ouais. dans l'article, la, dans la, dans j'en parle finalement un petit peu le, les, les intuitions de bah, Einstein a une intuition et c'est comme ça qu'il démontre la, la relativité. Okay. Donc c'est pas euh, c'est pas n'importe quoi. Ouais. Euh, maintenant, souvent quand on pense à l'intuition on dit bah, finalement c'est une espèce de sixième sens. Euh, certains diront le feeling, le fameux le feeling, le flair, du blair. Ouais, le bon, filage, ben, ouais. Voilà, c'est. que euh, c'est beaucoup basé dessus. Hum le recrutement c'est beaucoup basé dessus oui bah oui faute, faute, de, faute de pas grand chose ouais. euh, voilà. mais c'est ce qui fait que finalement dans tous les dîners en ville euh, tu as autour d'une table euh, 10 personnes et 10 personnes sont en général d'excellents managers et d'excellents recruteurs <rire> <rire> moi je sens les gens <laughs> et oui on sent tous les gens ouais. euh, non, mais, au delà du délire de pré-cog et autres euh, autre en fait l'idée c'était de l'article c'était de balayer un petit peu de creuser ces notions pour voir effectivement dans quelle mesure ça pouvait avoir du sens dans notre pratique euh, de recrutement. Et en fait, j'en viens au fait que. Alors, c'est un chemin que j'ai mené à la fois en lisant, en échangeant avec euh, des psys. Euh, c'est très documenté. Moi, je l'ai lu, l'article. Alors, l'article euh, est documenté. C'est ouais, ouais. aussi, on va dire, voilà, un chemin aussi que j'ai mené, moi, là-dessus. Il euh, y a deux choses. Y a dans mes études, à un moment, je travaille sur l'école de Palo Alto. Euh, voilà. Sur, je sais, Préparer des concours d'école de communication. Et donc, je me mets à, à lire effectivement les travaux. Et entre autres, il y a une scène qui m'a frappé c'est la scène de la cigarette. Donc, c'est Bateson qui en parle. C'est un des chercheurs de Palo Alto, donc de l'Institut du l'Institut of Mental Research. Et il y a une scène avec une patiente où elle allume une cigarette à un point clé c'est sur l'observation, sur la, la thérapie familiale et euh, c'est une bascule dans l'entretien alors je sais plus exactement pourquoi mais en tout cas cette, cette scène de la cigarette, il y a un sous-jacent de non-dit, de choses qui vont se dire qui, et en fait il y a du non-corporel qui s'exprime pour, pour, pour expliquer un peu l'école de Palo Alto, il y a Freud qui développe l'inconscient individuel Carl Gustav Jung qui le contredit avec l'inconscient collectif, il y a Eric Berne qui le récupère derrière avec le parent, enfant, adulte etc. Je crois que... <laughs> Tu sautes 4-5 étapes et tu arrives à. Et voilà, c'est une école qui se développait effectivement sur la côte ouest et sur, effectivement, des comportements. ce qui était intéressant dans l'école Palo Alto, c'est qu'on retrouvait des psychologues, des anthropologues. Enfin, c'était pluridisciplinaire. Et donc, la façon d'allumer la cigarette donne un indice, un signal. Un indice à l'observant, donc au psychologue. Tiens, il y a quelque chose à creuser. Et donc, il y a ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, effectivement, c'est dans nos entretiens, il y a ces moments enfin fait un entretien et on sent que voilà c'est le je ne vous cacherai pas par exemple ouais. alors ça c'est un peu tarte à la crème euh, on l'a tous vu chez les hommes politiques ou autres en général un candidat qui me répète ça 4-5 fois dans l'entretien euh, un loup j'ai bien envie d'aller creuser derrière alors ça c'est très basique mais derrière c'est ces moments dans l'entretien où on se dit tiens là j'ai bien envie de creuser qu'est-ce qui fait qu'on a envie de creuser mmh. bah effectivement c'est une partie de l'intuition qui dit hé hey, Là, il y a peut-être quelque chose à aller voir. Parfois, y a, parfois on y découvre qu'il n'y a rien, en fait. Et parfois, effectivement. Et c'est pas forcément du mensonge. Hein, c'est juste une notion qui a besoin d'être creusée. Euh, c'est beaucoup de choses, effectivement. Alors, il y a beaucoup de métalangages type je ne cacherai pas ou euh, non, non, mais euh, ça va bien aujourd'hui. quelqu'un qui a quitté son poste et euh, on sent que c'est frais, en fait, que le ciment est frais, que si on creuse, bah... Euh, mécanismes a... de défense voilà, mais... alerte voilà c'est des alertes alors après on en fait ce qu'on on en fait qu on veut on peut, oui. on peut euh, mais oui. c'est une façon de mener l'entretien ce qui est intéressant dans ton article c'est que tu n'opposes pas forcément euh, l'intuition ou le feeling en entretien à euh, une structuration voire même la scorecard on en parlera non, oui, bien sûr, tout ouais. à l'heure mais euh, c'est en fait un signal faible ou pas faible d'ailleurs je sais pas que tu prends pour savoir où aller creuser de manière peut-être structurelle. Et voilà, pour étayer <coughs> finalement. C'est surtout en fait le fait de dire justement de ne pas rester au feeling simple et au sentiment ou euh, à l'opinion, mais au moment de se dire non, je vais l'étayer. Je vais l'étayer en allant chercher un exemple concret en fait. Est-ce que derrière il y a quelque chose et d'aller chercher finalement de la matière Est-ce que <coughs> tout le monde a le même niveau d'intuition Un junior qui démarre dans, dans le recrutement versus quelqu'un qui a fait ça pendant 15 ans tu, Parce qu'il y, y a un. Il y a quelque chose euh, au niveau médical Non, les pompiers. L'exemple du pompier, tu peux en parler. L'exemple du pompier, c'est euh... ouais, l'exemple. Euh, bon, euh, dans, dans les différentes écoles, on va dire sur l'intuition. Enfin, typiquement, il y a deux grandes oppositions et euh, les deux vont finir par s'entendre. C'est Kahneman, euh, donc Cadman qui a été euh, donc qui est psychologue qui a été qui a eu un prix Nobel en économie. Euh, bon, sur sa théorie effectivement euh, sur le... Alors, je crois que c'était sur la partie des jeux des jeux des jeux euh, comment dire boursiers enfin en tout cas voilà mmh. et Kahneman euh, dit finalement les experts se plantent donc, grosso modo bon, je fais court mais c'est ça non, mais non, mais... Euh, si on demande à un expert en statistique de, de définir un échantillon donc pour concevoir 9 fois sur 10 c'est pas bon la taille de l'échantillon n'est pas bonne elle ne permet pas de faire l'étude euh, quand on le demande intuitivement ce à quoi Klein, donc, euh, qui est un autre chercheur, dit si effectivement on observe chez les professionnels euh, des euh, comme des patterns en fait, mmh. de comportement, et il prend l'exemple du capitaine des pompiers qui rentre dans une pièce, euh, donc, il y a un incendie et il ne reconnaît pas le pattern habituel et donc demande à son équipe d'évacuer et dix secondes plus tard le plancher s'effondre. Je ne rentrerai pas complètement dans le détail de l'exemple, mais mmh. euh, c'est dans l'article. Mais grosso modo, en fait, euh, voilà, là, on est sur de la dissonance, de reconnaissance de pattern, où il dit tiens, il y a quelque chose qui n'est pas normal, l'incendie n'est pas comme je pensais ou comme il devait être, je fais évacuer. Et, ouais. euh, et ça, en fait, le chirurgien développe des réflexes et des patterns aussi. Enfin voilà, on voit que c'est un certain nombre de professions. C'est l'usufruit de ton expérience. C'est l'usufruit de ton expérience, ouais. et c'est effectivement l'intelligence immédiate. Euh, Klein et euh, donc Adman s'opposent, et puis finalement en 2009, ils vont commettre un article qui est Agree to, do, to Disagree, pour dire, bah voilà, en fait finalement, l'intuition peut être valable dans la mesure où elle peut être entraînée. Donc en fait, il y a une notion d'entraînement, de feedback immédiat, de reproductivité, et, euh, et voilà, à peu près. Si on recentre un peu, et ça c'est hyper intéressant, est-ce que quand tu as écrit cet article-là, quelque part, c'est un pied de nez, une provocation ou une manière de jouer avec le sujet euh, autour du fait que la scorecard est devenue sacro-sainte dans le monde du recrutement. Alors, c'est pas dirigé sur la scorecard. Ouais. C'est euh, effectivement un exercice d'écriture intéressant. qu'il Alors, parce qu il est a un, alors, alors, y a un exercice d'écriture, bien sûr, le <coughs> qui est en moi euh, là-dessus. Euh, mais au-delà de ça, c'est dépasser le simple clivage. de dire, moi, c'est bien, pas bien. C'est-à-dire, effectivement, on lit beaucoup de choses sur l'intuition qui sont euh, qui sont parfois absurdes. Les, les fameux recruteurs disent, bon, moi, je sens les gens. Effectivement, l'olfaction, euh... enfin, je pense que ça serait très tout blanc pour le candidat. Yeah, C'est comme ça. les chiens, on va se renifler les fesses. <laughs> les développeurs back-end, euh, <laughs> <laughs> sentent plus voilà. que les <laughs> autres ou pas bon, non, mais... Les développeurs back-end. Petit, euh, petit clin d'œil. Il y a notre son, bien sûr. Son nouvel an. Voilà. On euh, cliquer, le son euh, nouvel an. Mais au-delà de la boutade, finalement, euh, donc, le sentir les gens, ça ne veut rien dire. Ouais. Euh, en fait, le but c'est pas de sentir, pas sentir, c'est vraiment de dire, ok, dans quel moment ça peut être valable. Okay. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de dire, est-ce qu'on doit euh, finalement jeter l'eau le, le, du, du bain avec le bébé avec mmh. Ben non. Qu'est-ce qu'on peut conserver J'avais des, des amis psychologues qui me disaient, ben non, moi, l'intuition me sert dans mes interviews pour relancer ou pour creuser par moments ou amener des sujets parce que je sens que là, on arrive sur des terrains qui sont intéressants, propices à euh, la conscientisation pour le patient ou autre. Donc en fait, ce qui est valable, chez les psy, après tout, euh, c'est un travail de maïotique, donc on accouche finalement des gens de... Alors nous, c'est de leur carrière professionnelle, hein, ça, on, on reste sur nos, nos sujets, ouais. mais effectivement, dans l'évaluation, ça peut avoir sa place. Et donc l'idée, c'était de jouer avec ça. Alors comme effectivement, c'est jouer avec le feu, parce que effectivement, je savais qu'en en commettant un article comme ça, je, je prêtais le flanc aussi à une levée de bouclier. L'idée, c'était de le documenter, de l'étayer, pour dire, mais voilà, en fait... Quel, quel scope je veux ab euh, aborder et comment je veux l'aborder. Parce qu'il y, y a deux écoles, on a l'impression que le feeling, c'est euh, du n'importe quoi avec la scorecard, c'est très théorique, très réfléchi. Et toi, tu as apporté l'inverse en disant non, 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 le feeling aussi, c'est très documenté, c'est très réfléchi. Alors, c'est pas que le feeling, en fait, c'est pas le feeling, c'est l'utilisation de, de l'intuition ouais. pour quelque part construire, c'est-à-dire finalement, je vais pas me, si j'ai des intuitions, je ne vais pas m'en défier, mmh. après tout. Euh, on le voit enfin, dans l'histoire de la physique et des sciences, mmh. euh, l'intuition a donné la loi la, de la relativité, euh, euh, comment dire, des intuitions chez euh, comment dire, euh, Galilée ou autres. Enfin, bref, les scientifiques se sont, se sont abondamment servis. Donc, ce n'est pas s'en défier, c'est dire ok, c'est le début de quelque chose, c'est pas la fin. Surtout ça. c'est pas dire mon intuition, c'est la fin de ma réflexion. Non, mmh. c'est le début d'une réflexion. Et je vais creuser derrière mmh. pour voir où je vais lancer un processus analytique en fait, pour essayer de comprendre si ce que je ressens, ce que j'ai intuité, donc ce que mon intelligence immédiate me donne, est-ce que c'est valable ou est-ce qu'au contraire, ça n'a aucune valeur. Parfois ça n'a aucune valeur. Et euh, quel, quel, quel message ou quelle réponse tu apporterais à, à cette communauté de recruteurs auxquels on fait partie, qui aujourd'hui... Euh moi, le message là-dessus, c'est. 200% de... sur la scorecard en et fait, sur la rationalisation une... à l'extrême. Il y a une rationalisation outrance et en fait, c'est surtout de ne pas devenir, on va dire, l'outil le, le, de son propre outil. Mm. C'est-à-dire d'être gouverné par les ornières. À un moment, effectivement, notre travail, c'est de questionner le réel. Mm. Euh, et dans ce travail de questionnement, de cheminement, en fait, de, euh, de rester très ouvert aussi. Euh, et je dirais, quelque part, on a. Enfin, euh, d'user de son esprit critique, en fait. Mm. Et l'esprit critique. Euh, en plus, ce n'est pas porter la critique art, c'est la capacité de raisonnement, de questionner les choses, de remettre les choses en question, euh, d'avoir cette recherche d'objectivité. C'est très scientifique, de le doute. Non, mais c'est un doute. Effectivement, ouais. c'est le, le doute philosophique, scientifique, ouais. et derrière, de l'utiliser pour ce que c'est. Et on a cette puissance-là, plutôt que de s'enfermer dans, euh, je dirais, une espèce de chapelle qui serait mmh. qu'effectivement, bah, la scorecard, par exemple, mmh. ou telle méthodologie, parce que finalement, il n'y a pas que celle-ci, il y, y en a plein de méthodologies. Ouais. Mais plutôt que de s'enfermer dans une méthodologie, de dire bon, bah, OK, euh, chaque, chaque outil euh, pour chaque situation, moi, je ne vais pas utiliser une pince pour planter un clou, ce n'est pas pratique. Mmh. J'utilise un marteau. Bah, c'est pareil dans l'évaluation, finalement. Il mmh. euh, y a des fois, c'est pertinent, et puis des fois, ça ne l'est pas. J'avais un, un cas concret, tu voulais dire un truc Non, parce que c est, c est, je pense que quand on parle justement de, de cette façon de, de euh, porter en, en vertu absolue la scorecard ou les entretiens euh, structurés, euh, euh, dans, dans l'évaluation d'un recruteur. C'est une façon, euh, comme dans d'autres périodes, on a pu mettre en, en avant euh, euh, la personnalisation dans le sourcing ou, ou l'automatisation, ou l'outillage du sourcing comme la façon de se distinguer dans le camp, d'être dans les camps des bons recruteurs ou ouais. les bons sourceurs versus ceux qui sont à l'ancienne. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans une phase euh, avec plein de choses qui ont bougé dans le bon sens oui, pour euh, rendre les, les entretiens euh, moins discriminants, avec, enlever <coughs> au maximum, même si on ne peut pas enlever tous nos biais essayer ouais. de rendre objectif les décisions euh, qu'on qu'on qu qu essaye de prendre et que l'évaluation par le prisme de, de l'outil scorecard est vraiment la représentation absolue d'être dans le bon camp C'était euh, ouais. cet exemple peut-être que tu avais en euh, ouais. en entretien pour rebondir sur ce que tu dis c'est que j'ai l'impression <laughs> que la scorecard c'est le fer de lance euh, du jugement rationnel qui combat la diversité enfin qui combat le manque de diversité qui combat ce genre de choses alors que au final tu peux aussi euh, bah j'ai à contre-courant, moi j'ai un exemple assez simple, très rapide, je suis un recruteur tech et, et dans ce sens là je... Une grosse curiosité, j'ai une petite culture générale sur euh, tous les éléments tech, la, la gestion de cash que, que j'ai pas mal étudié, euh, les, princi les, les principes solides, l'architecture hexagonale, etc. Donc j'étais assez fier de tous ce, ces petits mots-clés que j'avais accumulés et qui me permettaient d'échanger avec les devs. Et je me souviens faire un entretien pour un poste de recruteur tech dans une boîte très, très connue, très, très française, un équipementier sportif. Et, euh, et je raconte tout ça et je, je sens que je suis hors, hors de son scope, hors de sa cible. Je sens que ça ne l'intéresse pas. Je vais sur ces choses-là, sur tout ça, et je sens que. Et il me pose une question, il me demande ce c'est qu un... quoi une scorecard ou c'est quoi un entretien structuré, et je réponds à côté parce qu'à ce moment-là, c'était avant le Covid ou juste au début du Covid, j'ai pas ces éléments-là. Donc moi je dis un entretien structuré. Sous... Oui, je structure. Mes... Il me demande ce que c'est <laughs> qu'un entretien structuré. Je, oui, je souligne. <laughs> je structure mes entretiens, et je sens qu'à partir de là, il enfin, il me regarde plus, il me répond plus, il finit l'entretien parce qu'il est cordial et et, et et que je et que je suis complètement à côté de son scope ou de ce qui... de ce qu'il cherche. Et donc ensuite, moi je me renseigne sur la scorecard et finalement c'est beaucoup plus accessible que le savoir que j'ai accumulé qui me sert aujourd'hui à, à évaluer un petit peu les recruteurs et, et comme la sacro-sainte scorecard fait loi et ben on s'en fout en fait de, de, de ton travail de ton expérience de ce que de ta valeur ajoutée si tu ne rentres pas dans le cadre de ma scorecard donc euh, je, je mettrais la scorecard en fait on est dans une espèce de recherche de scientificiser ouais, quelque part intellectualiser non scientifiser ah. c'est à dire qu'en fait le c'est euh, alors c'était Paul Landowski que c'est Paul, enfin Lonowski le chef d'orchestre. Mm -hmm. il, il y a un sculpteur et... Non mais Paul c'est le chef d'orchestre. C'est le chef d'orchestre qui disait finalement, il, je sais disait, pas du tout, il déplorait l'enseignement le, de la musique ouais. en conservatoire en France, très académique et, et, et surtout très académique et très orienté science. Presque... Ouais. On peut pousser à, quasiment au statut de science, comme les mathématiques, comme la physique. Et il disait finalement, là-dessus on a un vrai problème, c'est que c'est pas une science, c'est de l'art et euh, enseigner ça comme une science c'est pour faire quelque part pour avoir voix au chapitre et dire finalement c'est sérieux aussi la musique ouais. alors que finalement en fait on, on en dégoûte on dégoûte des générations complètes alors, il, il, bien sûr dans chaque génération on a il y un, des contre-exemples on a voilà on a un Bernstein qui va sortir enfin en tout cas des, des, grands, des grands pianistes des, ouais. grands, des, bon, des, bon, des grands solistes peu importe hein. ouais. euh, mais j'ai le sentiment un peu qu'il y a la même chose non recrutement c'est à dire que finalement il faut qu'on puisque tout le, monde est sensé, tout le monde pense pouvoir recruter, n'importe qui. On est allé chercher des outils de plus en plus complexes et on en raffine quelque part les choses. On les complexifie aussi parfois à outrance, alors qu'en fait, il y a, euh, le sous-jacent devrait être avant tout une exigence analytique. Notre travail est un travail d'analyse. Et donc je pense qu'il faut être extrêmement exi enfin, il faut être exigeant là-dessus, y compris les juniors, les juniors qu'on va recruter. Plutôt que de se dire il faut une scorecard ou autre, etc. Et c'est vrai que ce que tu disais pour revenir tout à l'heure à ta question, parce que ouais. je ne suis pas sûr d'y avoir répondu sur la ouais. partie junior, est-ce que les juniors mmh. sur l'intuition, est-ce euh, que c'est possible ouais. euh, C'est plus difficile, parce qu'effectivement, en fait, je pense qu'il faut une expérience dans les relations humaines et l'interaction avec autrui, pas forcément recruteur d'ailleurs, qui... mais c'est cette expérience, ce bagage qui, qui permet d'avoir des patterns, d'avoir des, 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 des. Donc, patterns, on pourrait. Le, le terme en français, c'est des, des, des schémas. Ouais, ouais. Des schémas. Mmh des schémas mentaux, de l'interaction et de là, tiens, on a mis le doigt sur quelque chose. Et c'est valable à partir du moment où on les a analysés. C'est-à-dire qu'en fait, une fois de plus, s'il n'y a pas ce travail d'analyse, ça va être mmh. compliqué de développer cela. On l'a abordé tout à l'heure, euh, et, euh, et on en avait parlé en off aussi, euh, la scorecard impose qu'on pose les mêmes questions à tous les candidats dans un principe d'équité d'égalité. Mais moi, un candidat qui, euh, sur deux ans d'expérience, a bougé trois, quatre fois de boîte, et un candidat qui a deux ans d'expérience chez Doctolib, je vais pas lui poser les mêmes questions. Parce que je pense que je dois creuser chacun un parcours différent et que je vais comprendre les parcours en leur posant des questions qui sont différentes par rapport à leur parcours. Là où la scorecard voudrait une structure euh, rigide euh, qui voudrait que tu poses les mêmes questions aux mêmes candidats pour analyser les réponses, et au final analyser toutes les, tout, tous les candidats sur le, le même pied d'égalité. C'est une recherche d'égalité encore. Mais enfin, une fois de plus, l'égalité, alors euh, c'est louable. Maintenant, oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, en fait, on arrive à de l'égalitarisme qui n'a pas de sens non plus. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt l'équité qui est intéressante. Mmh. C'est plutôt traiter les candidats avec équité, mmh. plutôt que égalité, la rigueur dans l'absolu, ça n'a aucun intérêt. Parce que finalement, effectivement, euh, euh, c'est le principe de, euh, bah, si on ne traite pas tout le monde par égalité, bah, on va faire monter tous les animaux dans un arbre. Mmh. Et forcément, l'éléphant sera handicapé. Le poisson aussi. Et le poisson aussi. Et la crevette. Mmh. Tu as déjà vu le schéma, oui. Des et euh, et euh, moi, après, pour, pour mettre un peu d'exemple... De, euh, dans ce bouillon de, de culture générale. Et ben, merci Pierre. Bernard, euh, on a bossé en, enfin en 2021, moi chez Cotton Square et toi chez Doctolib, qui sont mmh. les deux plus grosses boîtes en termes de volume de recrutement. Euh, Peut-être même en termes d'exigence, j'ai envie de dire, même si bon, je, je, je ne sais pas vraiment. enfin Je n'ai pas, ouais, pas fait une étude, tout est relatif. Mais moi j'ai recruté sur mes périmètres. Après, j'engage pas tout Cotton Square, mais euh, des développeurs pendant un an et demi sans utiliser de scorecard. Et, euh, et, euh, et ça a très bien marché avec bah, des, des tests techniques pour. Bah, valider déjà la, la, la technicité des gens et puis des live coding pour eux aussi avoir euh, bah, une opinion sur leur comportement sans le rendre intelligible ou, ou, euh, ou, ou scientifique. Mais euh, voilà, on, on code ensemble. Je te pose des questions est-ce que tu réagis bien Est-ce que tu es un ego surdimensionné Est-ce que tu arrives à communiquer dans le code Est-ce que tu poses les questions quand tu ne sais pas Et c'est aussi sur ça qu'on se basait sans euh, intellectualiser, mettre des points sur une scorecard et dire que lui est souriant ou machin truc. Vous, comment c'était chez Docto C'est un bon point parce qu'on n'a pas défini euh, la scorecard. Ouais. Euh, chacun se fait une idée euh, peut-être euh, différente de ce que. Moi, la scorecard, euh, euh, j'en ai une idée euh, très, euh, effectivement, analytique dans le sens euh, où tu, tu as des compétences que tu essayes euh, d'évaluer euh, euh, par rapport à des questions structurées où la question est définie, la, les réponses attendues de, peuvent être définies pour ouais. pouvoir finalement mettre un score par rapport à, à la question que tu as posée et la réponse que tu as eue, ça, je l'ai très peu vu, à ouais. part des, des, des recrutements un peu plus exec où il y avait peu d'interviewers, des décisionnaires qui étaient plutôt euh, euh, directeurs C-level, euh, et qui, où le volume euh, d'entretiens par semaine était pas ceux que j'ai pu connaître en tech, où euh, tu, sûr, tu ouais. avais euh, 20 on par semaine, ou ouais. par contre, là, c'était chaque... Euh, instant euh, d'évaluation de, 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 technique entre le code, l'algo, le système design, ouais. était vraiment euh, anticipé via une trame et un feedback sur l'ATS. Euh, L'intervieweur, ouais. en fait, il avait une trame, il savait exactement ce qu'il devait euh, évaluer avec mmh. des questions plus ou moins structurées, et euh, à la fin, il devait juste donner un pouce en l'air ou en bas go par rapport au sujet go de go, ouais, qui l'intéressait ouais. et donc il n'y avait ni un score ouais. euh, un chiffre à donner euh, ni forcément une comparaison à faire avec les autres intervieweurs ou d'autres euh, candidats go. là où hein, une scorecard quand tu on tape sur Google scorecard image tu vois effectivement souvent go quand go. même euh, une grille avec candidat A candidat B avec une façon de comparer les notes qu'ils ouais. ont et ça c'est vrai que ça me ça me gêne aussi un petit peu l'élément de comparaison euh, entre les différents candidats donc euh, <laughs> il y a cet élément de scorecard qui, qui, qui parfois en fait a une définition très différente d'une boîte à l'autre. Et puis il y a le principe de réalité et de pragmatisme, je trouve, où la plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui ne sont même pas dans, dans cette idée d'ailleurs de, de, de structure de, de feedback form sont dans euh, « j'ai mon brief, je dois euh, pourvoir mon poste et euh, je fais tant bien que mal avec mon… » parce qu'on ne parle pas du, du, de l'opérationnel, le hiring manager qui est celui qui, à la base, est quand même la personne avec qui tu dois créer cette relation bien et sûr. cette scorecard éventuelle. Et quand même, je pense qu'il y en a beaucoup qui, aujourd'hui, recrutent euh, avec les moyens qu'ils ont et qui, qui n'ont pas forcément le temps de, de, de construire une scorecard. Alors, <coughs> oui, alors même si aujourd'hui, ChatGPT te la construit en deux deux <laughs> Et c'est là, Alors, où... oui, mais est-ce que ton hiring manager, il ouais. va l'utiliser? Est-ce est ouais, que, voilà. est en fait, que, tu vois, l'onboarder sur, ouais. sur ça, c'est la, la conduite pas, du changement, c'est la on conduite parlait. du changement. C'est pas question de la, de la faire, la scorecard, on l'a fait une après-midi, mais maintenant convaincre, enfin, moi, dans un procès, j'ai quoi? J'ai un hiring manager, peut-être cinq, parce que j'ai un deck d'hiring manager, j'ai un deck d'opérationnel sur trois étapes, leur dire à chacun quoi faire. Déjà, moi, j'en ai arrivé depuis deux ans, et ils sont là depuis je sais pas combien de temps, ils ont construit le site, c'est pour leur équipe, ils vont me dire, Coco, t'es bien gentil, mais déjà, trouve-moi des candidats avant de me dire, moi, comment je dois choisir on t'a réussi à les convaincre. Ensuite, c'est une vingtaine de personnalités différentes qui ont chacun leur avis. Et puis en fait, si tu veux jouer le jeu de l'intellectualisation, ils sont beaucoup plus forts que toi. Euh, avant de faire cette conduite du changement où tu as une heure par semaine pour les réunir, il faut qu'ils viennent euh, pour jouer le jeu, tu peux t'embourber dans, une, dans, une, dans, un, dans, un, dans un projet qui ne finira jamais. Et nous, on l'a tenté. On a beaucoup travaillé dessus. Au final, c'est peut-être contre-productif quand bah, tu as un, un test technique, quand tu as... Des candidats qui correspondent Alors En fait, c'est toujours pareil, c'est l'aveuglement. Enfin, c'est une fois de plus, c'est ce que mon outil, je suis aveuglé par. Ouais. Où finalement, j'ai effectivement une trame, j'ai des éléments de recherche qui peuvent être intéressants, mmh. s'ils sont bien faits, et, euh, et qui me permettent effectivement d'interagir avec le candidat. Une fois de plus, ce qu'on cherche l'interaction, c'est effectivement de voir si. Enfin, j'ai tendance à penser qu'en tant que recruteur, d'une part, nous ne recrutons pas. Ouais rend possible le recrutement à l'opérationnel ouais. et l'objectif c'est finalement de faire une espèce d'analyse des écarts entre les aspirations du candidat les aspirations de ce que j'ai compris de ce que j'ai compris des aspirations de ring manager ouais. et de son mm. besoin de compétences et de dire bon bah, ok euh, j'analyse si a priori c'est pertinent de les mettre ensemble ou pas mm. et d'en les mettre ensemble parce que finalement la scorecard elle a la provocation de rendre les choses aussi un peu objectives ouais. alors ce qui est assez drôle là-dessus si on, on en parlait euh, Préparant, c'est que finalement, ouais. souvent, on, on objective tout, tout le process et puis à la fin, on a le l'entretien culture à filtre. Ouais. <laughs> Globalement, on va boire ouais. une bière avec l'équipe et puis là, finalement, l'équipe dit, bah euh, ouais, on le recrute ou pas. Ouais, pas cool. On, on veut bosser <laughs> cool, avec pas lui cool. ou pas. Ouais. Euh, bon, ce que je trouve toujours dé délirant, c'est que finalement, d'un côté, on a on a essayé de faire fi complètement de, de, de la subjectivité puis à la fin, on la, on, bah. on la rajoute. Elle pète en fait, on a tellement voulu euh, rendre ça objectif qu'au final ça pète sur un dernier détail. Ouais. En fait, non, le truc, c'est qu'en définitive, monter une équipe, c'est du management. Hein. De toute façon, ouais. recruter, c'est mmh. manager. Et euh, le recrutement, enfin euh, manager, euh, c'est aussi mettre de la cohésion. Et donc la cohésion, ça passe par est-ce qu'on est capable, un moment ou un autre, de faire la route ensemble. Surtout qu'on est dans des entreprises quand même... Euh, on parlait d'Octolib, de, de ContentSense euh, tout à l'heure, avec un niveau d'exigence parfois où on se retrouve quand même à souvent euh, avoir un entretien des clones. Ouais. Donc, entre quatre candidats qui ont fait HEC et McKinsey pendant trois ans, euh, et les quatre ont très bien travaillé sur leur case study, etc., au final, on ne va pas se mentir, le choix souvent peut se faire sur le feeling ou euh, le hiring manager avec qui il s'entend le mieux ou la poignée de main, etc., dont, dont, dont on parlait, qui sont assez clichés. Mais à un moment donné, on ne peut pas complètement... Euh, Balayer d'une main que, c est, c est, que c est, c est, ça n'existe pas. Ce, le... Mais ça existe, et en plus, je trouve que c'est même presque souhaitable. Mmh. Quand j'étais jeune consultant, on recrutait donc nous, des analyses de marché. Et donc, j'avais trois directeurs de département qui recrutaient avec trois personnalités complètement différentes. J'en avais un qui était plutôt introverti et plutôt affectif. Euh, un autre qui était plutôt un peu, un peu pirate un peu il aimait les, les situations un peu tricky et même dans sa négo commercial hein, il, il avait cet aspect-là puis j'avais le troisième qui était plutôt qui faisait plutôt penser aux délégués de classe ouais. euh, bien sous tout rapport bon élève etc et en fait il bah, y a un moment donc je, je recrutais massivement en général pour ces trois départements donc on faisait euh, je devais faire une vingtaine de recrutements par an pour, pour, pour cette boîte là euh, les boîtes me filaient, donc chaque département me filait ses besoins puis je ventilais Ouais. Et puis à un moment je me suis dit mais en fait sous euh, les candidats finalement j'avais des candidats qui je sentais plus compatibles avec l'un qu'avec l'autre mmh. parce que euh, bah voilà euh, pas très à l'aise en entretien, il y avait une dimension un peu affective ou autre, je me disais bah, tiens je vais les mettre là-bas, puis bah, ça marchait mieux. Tout d'un ouais. coup, coup en fait quand j'ai commencé à jouer à ça, à dispatcher, à faire un dispatch là-dessus en me disant voilà j'ai trois typologies de caractères. Je vais, je vais pousser finalement les candidats qui me semblent les plus compatibles avec. J'ai eu un taux de transformation supérieur. Mm. Alors ça c'est pour le côté agence, c'est closing, D'accord, business, c'est ouais. closing. Mais au-delà du business, parce que finalement c'est avait bien au-delà de ça, c'est qu'en fait, y compris sur la fin de période d'essai et y compris Alors, finalement le suivi sur le suivi, sur ouais. le suivi puisque mm. c'est une boîte qu'on a. Moi j'ai suivi pendant 4 ans et demi, donc on a un ouais. retour, on a, on a un vrai un vrai retour d'expérience. En fait, effectivement, à partir du moment où on a commencé à jouer comme ça, ouais. on a eu des très bons taux, y compris de transformation de gens qui restaient, qui se, comment dire. Qui s'impliquait euh, dans la boîte et qui ouais. grandissait mmh. dans la boîte ouais. aussi sur de nouvelles fonctions. Moi, pour, pour, pour ajouter à ça, parce que je, je suis vraiment d'accord, il y a la notion de coach que j'aime bien en tant que recruteur. Et des fois, quand je pose des questions techniques à mes candidats, aux développeurs, euh, vas-y, euh, définis-moi la single responsibility il est pas capable de le faire. Il me dit, pas de problème, je ne ah, sais pas. Et quand je lui explique, il me dit, ah, oui, mais ça, je connais. Et en fait, il avait juste pas associé quelque chose qu'il faisait tous les jours à sa définition. Et en fait, c'est à moi de lui dire "Ah bah attends, tu vas rencontrer des managers, donc révise ça, révise ça, révise ça, révise ça parce que moi ça m'embêterait que tu aies une compétence que tu arrives pas à en parler ou que tu pas les mots précis de la définition ou de l'acronyme et que tu remplisses pas les points de cette fameuse scorecard. Donc moi mmh. mon but c'est pas de valider une compétence, mais de, de chercher s'il l'a et de le coacher pour qu'il puisse la délivrer il puisse et le euh... meilleur de lui-même. Ouais, c'est ça ouais ce qui revient au final avec euh, le, le, le souhait d'objectivité, entre guillemets, qui est louable à, avec l'idée de la scorecard ou la, de, de structurer au maximum. On n'a on on pas euh, parlé de la méthodologie STAR qui souvent euh, aide beaucoup. Moi, le, le, la méthodologie STAR qui aide à, les candidats à répondre d'une certaine façon en argumentant, en donnant des faits, en arrivant avec le résultat, et, et, etc. Et, et, et c'est vrai que euh, quand tu expliques à un candidat euh, comment tes Attentes, soit par reformuler une question, soit en, en, en lui redonnant une chance parce que tu te dis effectivement c'est peut-être moi ma façon d'avoir posé la question qui ne permet pas euh, la, la meilleure réponse, et bah tu es dans un espèce de coaching euh, naturel en tant qu'interviewer, oui. c'est même pas en tant que recruteur, je trouve que tous les intervieweurs devraient avoir cette euh, capacité là et c'est là où tu permets aux gens de leur donner vraiment leur, le meilleur de d'eux-mêmes en entretien. Ouais, sachant que alors moi la méthode star je la vois vraiment comme une bande de, de vraiment de maillotique, donc de questionnement et d'interview. Mmh. La restitution, à la rigueur, que les gens ne soient pas formés à la restitution de stars. Mmh. Moi, ça, ça a été par moments des sujets que j'avais avec mes clients qui me disaient non mais en fait euh, j'ai pas retrouvé les stars dans son restitution. J'ai dit ouais. c'est pas une méthode de restitution, c'est une méthode d'interview. Ouais. Mmh. Euh, alors même si de plus en plus on a des candidats qui sont rompus à ça, donc la méthode Star, finalement c'est situation task, action résultat. Mmh. Donc euh, grosso modo, alors si on parce que la traduction française, je la trouve un peu malheureuse. Moi, je l'avais traduite de la manière suivante, c'est on a une situation initiale, on a des objectifs à remplir, on a des moyens, un résultat. J'aime bien rajouter ce que les difficultés. Enfin, je leur pose régulièrement la, 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 la question de quelles difficultés qu ils ont rencontrées et ce qu'ils en ont retenu. Ouais, les enseignements. Euh, enseignements retenus, ouais. professionnels. Je même ça, je trouve ça très compliqué. Par exemple, moi, je suis recruteur. Mon rôle, c'est de faire sept euh, recruteurs dans le quarter. C'est mon objectif. Je suis payé sur pour ça. Mais mon vrai euh, objectif caché, qu'on ne me dit pas mais que je dois comprendre, c'est que mes airing managers doivent être contents. C'est pas à recruter. Et ça, déjà, tu rentres dans une boîte. faut comprendre au bout d'un an que c'est ça. Je vais aller dans une boîte euh, l'année prochaine. On me demande, bah alors, c'était quoi tes objectifs enfin, bah, C'était recruter cette recruteur. J'ai fait ça, ça, ça. Et en fait, non, en fait mon, mon rôle, c'était que le service recrutement n'ait pas des plaintes des hiring managers. Donc, même cette méthode star, j'ai vraiment en question, dans le sens où, bien souvent, entre les objectifs chiffrés établis dans ton contrat de travail, dans tes missions de tous les jours, et ton vrai rôle dans l'entreprise, des fois, c'est différent. Alors, moi, j'ai cet avantage, avantage d'être en, en, en cabinet. Ouais. On n'est pas sur les mêmes volumétries. Ouais. Donc, effectivement, moi, ça, c'est quelque chose que je peux appliquer. Mais euh... vous, c'est la relation client Mais, Mais pas que. Non, pas que. Mmh. En fait, non, non, ça va au-delà de ça. C'est que c'est vraiment. Enfin, mmh. moi, je m'en sers vraiment pour aller. En fait, ça me permet d'aller chercher des exemples concrets. Mmh. Pour me dire, bon, bah, OK, euh... la façon dont la personne va bah, me raconter son histoire. Et fait, voilà. ouais. en fait, on en revient à raconter une histoire. Ouais. Et une histoire, bah, en fait, il y a une unité de temps, de lieu, etc. Et donc là, finalement, l'unité de temps et de lieu, c'est OK, c'est quoi le démarrage Quand tu arrives, dans, quand tu prends ce poste, tu, déjà, souvent, j'aime bien leur poser la question Vous savez pourquoi vous avez été recruté sur ce poste-là mmh. euh, C'est une restitution de la, quoi la situation initiale, ce qu'on attendait de lui C'était quoi vos objectifs Et c'est pas forcément des objectifs chiffrés, de commerciaux c'est quoi les enjeux, en fait C'était ouais. quoi vos enjeux, en ouais. fait C'est quoi vos enjeux Comment est-ce que vous y êtes pris pour bah, essayer d'y répondre et ça donne quoi en, en finalité en fait ouais. Et la finalité, ce n'est pas uniquement bah, j'ai fait plus de 20% de chiffre d'affaires, on s'en fout de ça. D'une part, c'est valable pour les commerciaux, mais pas, pas pour tous. Mais l'idée, c'est concrètement, bah, raconte-moi un peu, c'est quoi ton empreinte Quelle mmh. empreinte tu as laissée oui. euh, Quelle est ta contribution en fait Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire ok, raconte-moi ta contribution. En quoi à... tu as changé les choses c'est un très bon point parce que souvent quand tu es en cabinet d'ailleurs, tu dois avoir assez d'éléments pour expliquer à ton client quand tu l'as en ligne pourquoi ce candidat est pas un autre, etc. Pourquoi il est pertinent. Souvent je dis au manager, la, la méthode SAR, moi c'est comme ça qu'elle qu m'a qu été utile. Je dis à un manager, imagine, tu, tu t as rencontré un candidat, tu es super chaud, tu sors d'entretien, et tu as envie de dire à ton, à ton collègue, à ton boss, ou même à moi, tu viens me voir et tu me dis, euh, c'est top, super entretien, je le sens super bien sur telle, telle, telle compétence. Et là... Combien de fois c'est arrivé à la question, ah oui, qu'est-ce qui te fait dire ça Tu sais, parce que toi, tu sais plus ou moins à quelle intuition à ce moment-là tu as eu, etc. Par contre, t'as pas une façon... Euh, tu vois euh, factuel, factuel de me dire pourquoi, pourquoi et en fait la, cette, cette méthode star ou d'autres ou, ou peu importe le, le, la structuration de l'entretien ouais, te permet d'arriver à ouais. parce que dans telle situation euh, quand elle a fait ça ou il a fait ça il y a eu ça et les résultats ont eu ça et le storytelling c'est un peu l'extra le, mal je trouve effectivement la, la, le supplément d'âme que les candidats qui, qui vraiment se démarquent et en plus ils le racontent avec il le raconte quelque avec chose ça <coughs> effectivement mm. euh... Rassam tu peux raconter aussi euh, jusqu'où vous avez été chez Doctolib pour aseptiser la relation quand tu dis que <coughs> Ah oui, bah en fait, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, moi, quand je construisais des équipes, euh, même de recruteurs, je rencontrais beaucoup, beaucoup de candidats. Et, et dans cette recherche de neutralité, euh, on était amené à, à nous-mêmes prôner le fait d'enlever de, tout ce qui était de l'ordre personnel du candidat, de ne pas faire de chit-chat euh, au début d'entretien, de, à la limite dire bonjour, comment ça va, etc. Mais surtout pas demander euh, ça va, est-ce qu'il fait beau, vous êtes où, euh, comment vous êtes arrivé, ah non, euh, bah, désolé, j'étais en train de courir ouais. ou dans les transports, parce que pour avoir une idée d'où il habite, c'est quoi ces passions? Parce qu'on parce qu est vraiment axé et focussé sur les compétences. Que c tu et pourrais créer crée des biais. Finalement. Ça peut créer des ouais. biais, effectivement, d'affinité des biais euh, cognitifs. Et effectivement, c'est bien, c'est une bonne chose d'aller vers la direction de, de, de la neutralité à ce niveau-là. Par contre, le, le revers de la médaille, c'est qu'à un moment donné, à la fin de, de mes entretiens, euh, j'avais un panel euh, de candidats qui étaient effectivement très bons, qui répondaient pas mal sur tout, 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 toutes mes attentes. Mais je ne connaissais rien d'eux en dehors euh, de, de, leur, de cet entretien. Et donc, euh, en fait, au final, tu te rends compte que travailler avec quelqu'un, construire une équipe, c'est plus que simplement des compétences et des skills. C'est des personnalités, c'est une vision commune, c'est parfois partager quand même des choses en commun. Et c'est là où euh, je trouvais que c'était trop aseptisé. Et, je, et je, moi-même, je me suis dit, bah, en fait, euh, je suis face à des gens, je ne sais même pas si j'ai envie de bosser avec eux. C'est le <coughs> principe, moi j'ai une métaphore là-dessus, c'est le principe de finalement, euh, tu as un orchestre des premiers prix conservatoires. Enfin voilà, des qui sont brillants brillants musiciens, qui vont interpréter une partition impeccable, et pourtant ça sonne pas. Mmh. Alors on va dire, bah, c'est parce qu'il n'y a pas de chat d'orchestre ou parce que c'est pas mauvais. Mais en fait, il n'y a pas que ça. C'est qu'en fait, il y a un moment le fait de faire... C'est la cohésion, c'est de, de, de faire corps ensemble. Mmh. Et en fait, une entreprise qui fonctionne, c'est pas forcément, on va dire, des, des super compétences ou autres. On l'a vu d'ailleurs. Je, je suis très peu le foot, mais en fait, c'était... Je me souviens les plus je crois. Voilà, les vrai. équipes de superstars ou autres. On dit ah, on a une équipe, on a les meilleurs joueurs du monde. Et pour autant, bah, pff, non, en fait, on va passe passer à côté de notre Coupe du Monde. Et, alors que d'autres fois, on n'a pas forcément la meilleure équipe, mais ça cartonne. Le Portugal qui bat la France en finale quand Cristiano Ronaldo sort au bout de quelques minutes de match hein. Peut-être. Ouais. Mais en fait, euh, et ces notions-là, c'est effectivement le fait qu'à un moment, il y a un collectif et que c'est pas une succession d'individualités. Ce n'est pas 10 individualités mmh. qui sont sur un terrain. Euh, c'est euh, un tout. C'est un tout. Et, euh... et pour aller plus loin dans, dans ton sens, tu parles du fait parce qu'on en a parlé un peu avant qu'on ne peut pas diviser la soft skill. Non oui ouais. et du coup effectivement euh, alors ça c'est aussi un sujet c'est vrai que finalement souvent les soft scorecards à un moment on vient on vient parler hard skill soft skill alors souvent les hard skills donc ça va être les compétences techniques que les managers vont évaluer parce que bah c'est leur art, c'est leur art. C'est l'engineering manager qui va évaluer si effectivement il code bien en Java. Mm. Et puis nous, donc, euh, bah nous, on est les RH, donc on va faire quoi On va faire bah, les soft skills. Les travails en équipe. <laughs> Et alors, les soft skills, alors, en fait, moi, il y a un truc, c'est que... Donc l'histoire, l'histoire de ça, c'est que... Euh, quand on met en, je mets en place effectivement la méthodologie STAR à l'époque dans un cabinet. Ouais. En fait, le but, c'est que euh, le cabinet est inscrit dans la lutte, la lutte contre la discrimination et pour la diversité. Donc, l'idée, c'est de se dire, bon, OK, on met un process de recrutement qui fait qu'on va collecter les faits et qu'on va pouvoir délivrer, on va dire, la même appréciation de 9h du matin à 19h. Mmh. On en a cherché, les mêmes critères. Ce n'est pas une scorecard parce qu'on ne met pas des notes, on... mais ça permet de collecter. Tiens si voilà, on va collecter sur la dimension commerciale, on va les collecter ben voilà, des situations. Alors, si possible, trois trois contributions du candidat. Bon, bref. Et, euh, et à l'époque, donc euh, on travaille là-dessus, on travaille sur la compétence. Et euh, on s'intéresse donc aux écrits sur la compétence, on va faire un tour dans les bouquins universitaires parce que faut parce, que, sérieux, parce que faut bosser. Un, un intellectuel. Faut bosser, faut bosser. <laughs> L'intello du gain. Et, et en fait, à l'époque, en fait sur la France, la seule qui a vraiment bossé ce sujet-là à fond sur le, la compétence au travail, c'est Claude léville Boyer, qui était prof à Paris 5, prof émérite de l'université de psychologie, et qui a beaucoup travaillé. Bon alors, en dehors du fait que, que sa bibliographie est entièrement anglo-saxonne, c'est un truc qui intéresse peu les psychologues du travail en France. Euh, ils s'intéressent plus au RPS, à, les, à, à, comment dire, à, à ces sujets-là. Euh, et Claude léville Boyer définit la compétence, Non, mais finalement, la, la compétence, c'est la résultante ou la combinatoire. D'un savoir, d'un savoir-faire d'un savoir-être. Je suis un peu court, mais globalement, c'est les, les trois ensemble. Et sur une compétence, admettons, euh, comment dire, euh, bah sur l'empathie, par exemple, quelqu'un d'empathique, on va dire que son empathie, il a, il a pu la développer par le savoir-faire, donc l'expérience, ou bah, inné, c'est inné, il est hypersensible, et donc il y a cette espèce d'empathie, se met à la place de tout le monde, mm. euh, ou à l'inverse, bah, il l'a appris, parce qu'on lui a, il a appris à l'école, on, on lui a expliqué qu'il fallait être empathique. Les, je dirais, on, va les, on a trois canaux d'acquisition, et en fait, c'est la résultante des trois en fait, qui, qui crée cette, 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 cette compétence. Oui. Et non pas, bah, euh, parce que finalement, souvent dans la soft skill, finalement, ça voudrait dire qu'on décorelle quelque part bah, le savoir, oui. du savoir-faire et euh, du savoir-être, puisque le savoir-être, ce serait finalement cette soft skill qui est à la fois tantôt un trait de personnalité, tantôt effectivement. Euh, un penchant, puis bon, en fait on voit qu'il est quand même variable en fonction du temps, donc finalement on ne sait pas trop comment le définir. Et là-dessus, c'est Ibrahim Affal qui avait fait un très bon article et une interview sur Xerfi, qui en parle d'ailleurs de... Lui, il va plus loin, il parle quasiment, c'est quasiment l'imposture, la l'imposture la de, la, de la soft skill. Ouais. Mais je ne suis pas loin de le penser, effectivement, mmh. en disant, mais euh, arrêtons avec ça, en fait. Euh, Intéressons-nous à l'entièreté de l'individu, une fois de plus, arrêtons de vouloir mettre... De vouloir théoriser les choses. Hein, il y aurait le spécialiste du boulon et puis ensuite de tournevis. Mmh. On travaille, je trouve qu'on travaille une, une chose qui est euh, alors, la matière humaine. Je me dit comme ça, c'est moche. Ouais. Mais, mais non, mais on est dans la relation, en fait. Mmh. Donc faisons ce travail-là. On peut le faire de manière analytique, sérieusement, <coughs> de manière posée, sans forcément tout, tout d'un coup essayer de s'enfermer à vouloir éclater les choses façon puzzle. Ouais. On va euh, peut-être. Ouais, c'est une, à... ouais, une bonne conclusion vers, euh, vers en fait, le. le... Au final, tous ces outils nous servent à quoi en tant que recruteur Je trouve que nous, de, en, recruteurs, on est euh, au milieu de, du guet, en plus, entre le candidat. Euh, on a ce devoir et cette capacité à le coacher, le rendre meilleur euh, ou le sublimer pas, dans l'exercice, parce que ça reste un exercice, l'entretien, euh, où il y a du théâtre, il y a de la préparation. Certains sont beaucoup plus à l'aise que d'autres. Donc, euh, s'assurer que le candidat... Et tous les éléments, lui donner le, 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 le maximum de chance par la reformulation d'aller creuser via l'intuition dont on a parlé. Donc, ce rôle face au candidat et, in fine, ce rôle de pragmatisme par rapport au hiring manager ou ouais. la relation de confiance. Et en fait tout notre savoir de théorie sur tout ce qu'on a dit euh, je trouve et on peut y rajouter même le sourcing euh, ouais. euh, en fait en, tout notre panel de recruteurs et les, 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 les skills hard skills de recrutement qu'on a peuvent que nous servir pas pour prendre la meilleure décision ou s'assurer que qu'il y a zéro billet, parce que ça ça n'existera pas mais s'assurer qu'on améliore en fait la connaissance du hiring manager je trouve sur ces éléments-là que lui n'a pas forcément en tête et je trouve que c'est ça notre rôle de catalyste au milieu du de ce process si. Enfin, je pense qu'effectivement, notre rôle, en fait, il est surtout de rendre possible. Enfin, l'entreprise a un objectif. Elle œuvre pour un bien commun de l'entreprise, hein, j'entends. Mm. Et en fait, bah, on est, on va dire, un des contributeurs. Et euh, a fortiori, bah, celui qui permet, qui, qui rend possible citer, ce recrutement. Ouais. On nous le délègue. Euh, et c'est à nous, finalement, effectivement. Alors, le, le terme sublimer, je trouve, est, est bien mm. trouvé, bien choisi. C'est ça, c'est de sublimer les candidats. On va euh, terminer sur ces belles paroles Merci Talise déjà pour le sponsor du du podcast parce que c'est excellent de nous faire confiance et de pouvoir développer tous les trois autour de ce sujet de donc du blog aller sur le blog de 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 pour les Ouais, aller lire l'article maintenant. Le papier de de l'intellectuel Pierre-André Fortin. Merci d'être passé au sous-sol. Merci pour, euh, le pour rencontrer Rassab ah, j'ai adoré <laughs> le sous-sol ça y est bien. le kiffe, elle est top <laughs> et merci bah, Rassab de nous accueillir à ah, très bientôt oui, avec ça de, de nouveaux invités Recruiters in the house Recruiters Recruiter in, in the house le recrutement se dans check. la maison ouais Allez, euh, Allez. <laughs> et en plus on a enregistré tout le son <rire> <rire> on va checker ça le son y est le son y est ouais ça continue le son y est on progresse il y a 41 minutes donc ça c'est cool Ah Putain, c'est bon.